Cette fois, j'ai trouvé la formule idéale, celle qui me permettra de me débarrasser de ces horribles schtroumpfs. Un génie diabolique a encore une fois fait merveille. Mon rêve va enfin être exaucé et je vais retrouver ces monstrueux petits êtres bleus. Ça y est, c'est prêt. Maintenant, je vais pouvoir savoir où se cachent les schtroumpfs. Indique-moi, boule merveilleuse, les créatures les plus immondes, les plus hideuses. Quoi? Mais non, je parle des schtroumpfs. Ah, leur village. Mais où sont les schtroumpfs? Joyeux anniversaire, schtroumpf. Joyeux anniversaire, schtroumpf. Joyeux anniversaire, schtroumpf, schtroumpf rêveur. Joyeux anniversaire, schtroumpf. Mais j'aime pas les anniversaires, schtroumpf. Non, non, pas encore. Oh, fais un vœu et souffle les bougies, schtroumpf rêveur. Un vœu? Je voudrais aller dans une étoile où nul n'est encore jamais schtroumpfé. Oh, qu'est-ce que je ne schtroumpferais pas pour pouvoir voler dans l'espace et devenir Cosmo-schtroumpf? Heure-schtroumpf! Maintenant, j'ai besoin d'une petite brise légère et... Ça y est! Je vole! Je vole! Je vole! Oh, oh! Je ne vole plus! Il est pas schtroumpfé de la dernière pluie, le schtroumpfrêveur! Allez-y, riez, riez, tant que vous voudrez. Moi, je vous dis que je m'envolerai dans l'espace. Formule pour faire voler les balais. Le balai d'Olivier posera sur le sol, pointé vers le levant et prononcera à voix haute « Hocus pocus abracadash trumf oh !» Moi, j'aime pas les balais. Tu vas revenir ici tout de suite. Je te tiens. Ah, ça y est, je vole. Ça y est, je vole. Oh. Alors là, je vole plus du tout. Oh. Alors, tu as schtroumpfé comme un oiseau? Et il a atterri comme un schtroumpf à repasser. Allez-y, riez. Vous verrez. Je le sais que j'irai là-haut. Enfin, je crois. Je pourrais me fabriquer des ailes. Oh, non. Non, ça ne schtroumpferait pas non plus. Et... J'ai peut-être eu tort de rêver. Faut être lucide. Je ne schtroumpferai jamais dans l'espace. Ah la 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 la. Oh, non! Attention! Oh, mais qu'est-ce que tu m'as fait peur alors? Si je t'étais pas passé par là par hasard, cet horrible chat t'aurait fait très mal. Un chat? Où ça? Où ça? Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas? Tu n'as pas l'air bien, mon pauvre schtroumpf rêveur. J'ai fait un vœu à mon univers schtroumpf, je voulais m'envoler dans l'espace. Oh, je commence à croire que j'y arriverai jamais. Jamais. Oh, si seulement je pouvais t'aider. Ah ah. Ça y est, j'ai schtroumpfé. Je vais me construire une machine à voler. Je commence tout de suite. Et oui, nous ne sommes plus très loin. Je le sens. Cette fois, nous les tenons. Attrape-la. Oh, ma bonne boule de cristal.
sonne le rappel, je trouve musicien. Aïe, aïe, aïe. Avis à la populace, Schtroumpf. Le Cosmo Schtroumpf fait savoir que sa machine est schtroumpfée et il invite les Schtroumpfs à venir schtroumpfer à son prochain départ. Grosse le Schtroumpf. Excusez-moi. Ah! Alors, qu'est-ce que vous en pensez, grand Schtroumpf? Eh bien, c'est une machine qui me semble très schtroumpfée, que je me schtroumpf. Mais elle marche à quoi? À la pédale, grand schtroumpf. Les pédales font tourner l'hélice. Et l'hélice schtroumpf la machine vers le haut. Travail vite fait, travail bâclé. Je suis sûr que ça ne marchera jamais. Jamais, jamais. Oh, schtroumpf Alina, tu es insupportable. Tais-toi un peu. Eh bien, bonne chance, que ce me schtroumpf. Et donne-nous de tes nouvelles. Au revoir. 10, 9, 8, 7. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Schtroumpf! Ah ben ça fait du bien un peu d'air frais. Eh oui, ça fait du bien un peu de... Mais qu'est-ce que je raconte, moi? J'aime pas l'air frais! Plus vite! Plus vite! Plus vite! Je l'avais bien dit! Je l'avais bien dit! Je l'avais bien dit! Je l'avais bien dit! Pauvre Cosmo Schtroumpf, il doit avoir le Schtroumpf brisé à l'heure qu'il est. Le rêve du Cosmo Schtroumpf, c'est de schtroumpfer dans l'espace et il ne sera pas heureux tant qu'il n'aura pas réalisé ce rêve. Malheureusement, nous ne pouvons rien pour lui. Mais c'était son vœu à son anniversaire Schtroumpf. C'est vrai? Et quand on fait un vœu le jour de son anniversaire Schtroumpf, eh ben il se réalise un jour. Certes, cela s'est toujours passé comme ça chez les Schtroumpfs depuis que je suis là. C'est-à-dire depuis 542 ans aux Chanterelles, grand Schtroumpf. Grand Schtroumpf, nous devons schtroumpfer quelque chose, il faut que son rêve se réalise. Vous avez raison, et j'ai une idée qui pourrait nous aider. Vous croyez vraiment que la machine va pouvoir s'envoler maintenant? Le Schtroumpf bricoleur a schtroumpfé ta machine de fond en comble et il l'a rangée. Alors je peux me schtroumpfer dans l'espace tout de suite? Bien sûr, mais avant toute chose, avale cette potion reconstroumpfante. Elle te permettra de résister aux fatigues de ce long voyage. Allez, faites des nuages de fumée et commencez à secouer la machine. Ah, je trouve maladroit. Fais un peu attention où tu marches, après je trouve... Où je marche? Et moi, j'ai pas de lunettes, alors c'est peut-être à toi plutôt de regarder où tu marches. Ah, moi, j'aime pas la fumée. Ça y est, j'ai décollé. J'ai réussi, je me trouve dans l'espace. Oh, qu'est-ce que j'ai? J'ai envie de te dormir. Ça doit être l'altitude. Ah, c'est pourtant pas le moment, hein. L'hélice ne schtroumpfe plus, il s'est endormi. Sortez le Cosmo Schtroumpf et démontez la machine. Ça y est, la machine est entièrement démontée, grand Schtroumpf. Où on va ranger toutes les pièces? Nous les schtroumpferons demain dans un endroit secret où le Cosmo Schtroumpf pourra réaliser son rêve. Oh, c'est merveilleux, j'adore les petits secrets. Vivement demain, grand Schtroumpf. Voyons, ajoutez 4 grains d'élébor qu'il faut schtroumpfer dans le jus amer d'une racine de mandragore. Parfait, ça marche! Si les schtroumpfs me voyaient, oh là là! Regarde-les, Azrael, ils ne sont pas appétissants? Ils sont à notre merci. C'est encore loin, grand Schtroumpf? Non, plus maintenant. C'est encore loin, grand Schtroumpf? Non, plus maintenant. C'est encore loin, grand Schtroumpf? Oui, très loin! Mais grand Schtroumpf, c'est un volcan?
Vous nous avez dit que les volcans sont terriblement dangereux et qu'ils crachent des choses absolument monstrueuses. Oui, oui, mais ce volcan est différent, il est éteint. Ah, mais il n'y a pas de fumée sans feu, grand Schtroumpf. Alors, assez bavardé, il faut continuer. Nous avons du Schtroumpf sur la planche. Poussez, poussez, poussez. Moi, j'aime pas pousser. Regarde, Azrael, cette misérable petite vermine bleue a traversé la rivière ici. Que ses empreintes soient répugnantes. Viens vite, les Schtroumpfs ne peuvent plus m'échapper. J'ai dit viens vite. Ah, comment oses-tu faire ça à ton maître vénéré? Descends tout de suite. Un de ces jours, Azrael, je sens que je vais te transformer en descente de lit. On travaille comme des forcenés, et qu'est-ce qui schtroumpfe pendant ce temps-là, le cosmos schtroumpfe? Il dort. Oh, attends une seconde! Tu sais ce qui est vert, rouge et jaune, avec des yeux violets et des dents longues et pointues? Non, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus, mais ça rôme sur ta tête. Quoi? Dis-moi, boule merveilleuse, où se cachent les petits êtres les plus monstrueux, les plus laids? Tiens, tiens, ils sont à l'intérieur du vieux volcan. Ce n'est pas bien loin d'ici et c'est l'endroit idéal pour me débarrasser définitivement de cette petite peste. Quand le cosmos Schtroumpf se réveillera, il sera persuadé de se trouver sur une autre planète. Il faut donc nous préparer. Et pour cela, j'ai schtroumpfé au point cette potion magique qui va nous transformer en schlips authentique. Un schlips? C'est quoi un schlips, gros Schtroumpf? Je vais te montrer. Oups. Et voilà, c'est ça un schlips. Je suis le Magna Schlips. Oh, oh. Tiens, je ne bouge plus. Une planète inconnue. Oh, c'est vraiment Fantaschtroumpf. Attention, le voile là. Hé, hey, regarde-le, il se croit sur une autre planète. On lui a fait une bonne plaisanterie, hein? N'est-ce pas, Schtroumpf, à lunettes? Quelle est bonne notre plaisanterie, hein? On ne dit pas Schtroumpf, mais Schlips. Ah oui, excuse-moi, Schtroumpf, Schlips à lunettes. Je me demande s'il y a des habitants sur cette planète. Je n'aurais peut-être pas dû poser la question. Moi, ami, arrivé dans Grand Oiseau. Vroom, vroom. Tu schlipseras ça au Magna Schlips, le chef de tous les Schlips. Et ça vous ennuierait pas de me décrocher d'abord parce que je serais plus à l'aise. D'où viens-tu? Je viens d'une planète qui est à l'autre bout de l'univers et qu'on appelle la Terre. Et tu es là en ami ou en ennemi? Moi? Mais en ami? En grand ami? Nous allons réunir le grand conseil pour schlipser sur ton sort. Oh, qu'est-ce qu'ils vont schtroumpfer de moi? Mais... Pardon. Nous y sommes presque, Azrael. C'est Gargamel, il faut prévenir le grand Schtroumpf. Tu crois que Gargamel est à notre recherche? Schtroumpf, nous avons schlipsé une décision. Nous avons décidé que tu étais un ami. Alors sois le bienvenu chez les Schlips. Ah, je vous remercie, Magna Schlips. Et nous allons faire une grande fête en l'honneur du Schtroumpf. C'est vraiment très schtroumpf de votre part. Merci. Je me suis jamais autant amusé. Il faut pourtant aller te reposer. Tu auras besoin de toutes tes forces pour retourner chez les Schtroumpfs. Ah, mais je ne retournerai jamais vivre chez les Schtroumpfs. Je préfère rester ici avec vous tous pour toujours. Pour toujours? Mais c'est impossible. Radia Schlips. Où ça?
Garde, emmenez le Cosmo Schtroumpf dans la cabane et qu'il n'en schlipse pas. Gargamel est ici. Le Cosmo Schtroumpf ne doit pas le voir, sinon il comprendra qu'il est toujours sur Terre. Mais malheureusement, ce n'est pas le seul problème. Le Cosmo Schtroumpf aime tant être avec nous qu'il veut schtroumpfer ici pour toujours. Il va falloir trouver une solution. Ah, je sais qu'ils ne sont pas bien loin. Je les devine, je les sens. Je vais voir. Mais ce ne sont pas les Schtroumpfs. Je ne sais pas comment il a pu nous retrouver, mais il va avoir une mauvaise surprise. Les orages sont violents par ici. Ma boule de cristal, oh, je ne pourrai jamais retrouver les Schtroumpfs maintenant. Crénom d'un lézard. Au moment où je touchais au but, c'est pas possible. Je les tenais, ils étaient là. Je savourais déjà ma vengeance, ils me le paieront. Quelque chose me dit que le grand Schtroumpf est derrière tout ça. Azrael, descends de là tout de suite. Descends, sa capuce, ou je te transforme en civet. Azrael, disparaît de là. Pour devenir un vrai Schlips, il faut que tu prouves ton courage et ton adresse. D'accord. Et qu'est-ce que je dois faire? Nous allons te faire tourner plusieurs fois sur toi-même, les yeux bandés, et tu devras schlipser la lance au milieu de la cible. Mais je ne vois rien. C'est justement la difficulté. J'ai réussi! Passons à l'épreuve du grand mât. Pour devenir Schlips, il faut que tu grimpes tout en haut. Bon, j'en ai schtroumpfé de plus grand. Le mât est couvert de savon noir, il lui faudra 1 milliard d'années pour y schtroumpfer. Bien plus, il fera peut-être 100 ans, peut-être même 3 ans. Moi, j'aime pas les mâts savonnés. Et voilà! Les schtroumpfs dans le nez! C'est normal, grand Schtroumpf. Le mât n'est pas savonné. Il n'est pas savonné, mais tu ne l'as pas savonné. Ouais, non, mais je croyais que c'était le Schtroumpf gourmand qui devait s'en occuper. Demander de lui. Mais non, je croyais que c'était le Schtroumpf grognon. C'était le Schtroumpf paresseux qui devait schtroumpfer. Il faut que tu traverses le lac à la nage. Un Schtroumpf d'enfant, je schtroumpf comme un poisson. En portant cette grosse pierre. Cette grosse pierre? Mais elle est beaucoup trop schtroumpf, c'est impossible. Comme c'est dommage. C'est bizarre. Oui, je connais cette voix. On ne s'est pas déjà schtroumpfé quelque part? Qui? Non, Cosmo Schtroumpf? Non, je ne suis pas celle que vous schlipsez. Assez perdu de temps. Si tu veux devenir Schlips, il faut schlipser le lac avec cette pierre. Oh! Oh, mais ça va être plus facile que je ne schtroumpfe. C'est une pierre qui ne coule pas et bien bonne. C'est malin, hein? C'est de la pierre ponce. Tu dois encore schlipser une épreuve, Cosmo Schtroumpf. Je suis prêt. Il faut nous prouver que tu peux mener la dure vie des Schlips. Il faut schlipser la cuisine, schlipser la vaisselle, schlipser les vivres pour toute la tribu. Et tu devras te prosterner devant tous les Schlips que tu croiseras. Et tu devras leur baiser les pieds aussi. Mais... Et tu ne pourras manger que de l'herbe. Tu ne pourras ni chanter ni siffloter. Même si tu es très heureux. Et à tes moments perdus, tu iras schlipser dans la mine de sel et tu ne schlipseras pas au fait. Voilà la vie que tu dois mener pendant 1 million d'années pour devenir Schlips. Et... À la réflexion, je ferais peut-être mieux de rechtromper sur la terre. Qu'est-ce que j'ai? Impossible de schtroumpfer les yeux ouverts. Ce doit être les épreuves. Ah, ça y est. L'hélice s'est arrêtée, le Cosmo Schtroumpf s'est endormi. Nous pouvons redevenir des Schtroumpfs. Ah, enfin.
on est quand même mieux en bleu. On voit la Schtroumpf en rose. C'est encore loin, Grand Schtroumpf. Oh, la Schtroumpf. Je suis arrêté. Hurrah pour la glace de Schtroumpf! Je suis revenu. C'était absolument fantastrumpf. Je me suis posé sur une étoile habitée par des Schlips. Des Schlips? Ce nom ne me schtroumpfe rien. Ils auraient bien aimé que je reste avec eux, mais j'avais le schtroumpf du pays et je suis rentré. Je suppose que tu n'as plus envie de repartir. Ben, j'ai bien aimé schtroumpfer librement dans l'espace. Mais je sais que je ne serai jamais aussi heureux qu'ici. On est si bien chez soi. Moi, ces ignobles créatures ne perdent rien pour attendre. Je me vengerai un jour. Et voilà tout ce que j'avais à noter sur mon petit journal intime aujourd'hui. Et maintenant, je vais aller me cueillir de bonnes schtroumpfs pour le déjeuner. Je me demande si la schtroumpfette a écrit quelque chose sur moi. Je me le demande. Sa fille de schtroumpf à personne, si je jette un petit coup d'œil rapide, elle ne le saura jamais. Dis, qu'est-ce que tu fais là? Mon journal! Tout est schtroumpfé! Oh, ne vous en faites pas, schtroumpfette. Et voilà. Et il est comme neuf. Tu me mets terriblement en colère, schtroumpf curieux. Tu es tellement curieux. Mais je n'ai jeté qu'un petit coup d'œil. Je me demande ce que prépare le schtroumpf gourmand. Je me le demande. Ce n'est pas un pâté, ni un gâteau. Ça sent schtroumpfement bon. Oh, je ne fais de mal à personne en jetant un petit coup d'œil. Oh, schtroumpf alors. Ah, schtroumpf curieux, tu as fait retomber mon soufflet. Je ne l'ai pas fait exprès. Dors et ne viens plus schtroumpfer ton nez dans le four. Oh, mais... Tout le monde est insusceptible. On ne peut pas m'en vouloir d'être un petit peu curieux. Schtroumpf à lunettes. Et qu'est-ce qui se schtroumpf ici? Regarde le laboratoire du grand schtroumpf. Vous le gardez? Mais pourquoi faire, dit? Ça, je peux pas te le dire. C'est un secret. Le grand schtroumpf travaille sur une expérience que personne ne doit connaître. C'est ça, et on a l'ordre d'empêcher les schtroumpfs d'approcher. À commencer par toi. Alors va schtroumpfer ailleurs si on y est. Et reviens pas nous le dire. Ah, après des jours et des jours de travail, j'arrive enfin au dernier ingrédient. Une seule goutte. Attention! Et qu'est-ce que vous faites, grand schtroumpf? Dites! Schtroumpf curieux! Qu'est-ce qui s'est passé? Dites! Tu as fait schtroumpfer mon expérience, tu es content maintenant? Il faut toujours que tu saches ce que font les autres, toi, n'est-ce pas? Oui, et à chaque fois, ça schtroumpf catastrophe pour les autres. Mais je n'ai pas fait exprès. Et tu nous dis toujours ça, merci! Mais tu n'arrêtes pas de schtroumpfer ton nez là où il faut pas. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de mal à être curieux? Il y a curiosité et curiosité. Et la curiosité est un vilain défaut. Oh, moi je deviens folle de rage quand il schtroumpfe son nez partout comme ça. Mais moi aussi. Mais nous aussi. Je ne veux pas vous schtroumpfer d'ennui, mais comment voulez-vous que j'apprenne les dures lois de la vie? Je vais faire un effort pour vous, grand schtroumpf. Parole de schtroumpf. Je te fais confiance. En attendant, tu vas aller au Grand Marais me chercher des ingrédients pour recommencer mon expérience. Et pour être sûr que tu ne schtroumpfes pas dans les ennuis, le schtroumpf à lunettes et le schtroumpf maladroit vont t'accompagner. Il ne nous reste plus qu'une chose à trouver, des schtroumpfs bien mûrs. Il devrait y en avoir par là. Oui, et pourvu qu'il n'y ait rien d'autre. Dépêche-toi, je trouve curieux. Cet endroit me donne la chair de schtroumpf. Et voilà, cette fois, je crois que ça y est. Ben, et pas la peine de schtroumpfer ici, alors. Travailler, toujours travailler.
Attendez, vous entendez? Vous entendez? Travailler, toujours travailler, mes vieux jours n'en peuvent plus depuis longtemps. Je ne sais pas pourquoi je fais ça du matin au soir. Vous avez entendu? On va jeter un coup d'œil, vous voulez bien? Dites, dites. Non, 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 souviens-toi des conseils du grand Schtroumpf. Oui, il faut retourner directement au village qu'il a dit. D'accord, d'accord. Partez sans moi, je vais vous rattraper. Les ordres sont les ordres, n'est-ce pas? Reviens, Schtroumpf, curieux. Nous avons fouillé ce marais tous les jours, sans jamais trouver cet ancien parchemin. Et nous ne le trouverons jamais. Si seulement l'enfer pouvait nous donner un petit coup de pouce. Viens, Schtroumpf, curieux. Le grand Schtroumpf a dit de rentrer. Alors vous êtes vraiment pas curieux? Non, on n'est pas curieux. Viens, viens. Oh, regarde-moi ça. Des petites bestioles bleues. Lâchez-moi. Oh, on vous tient, pas la peine de gesticuler. Il y en a peut-être d'autres qui se cachent en dessous. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, j'ai trouvé quelque chose. On l'a trouvé. On l'a trouvé. Enfin. Vous avez trouvé quoi? Qu'est-ce que c'est? Dites, dites. Silence. Oh, enfin, le parchemin sacré est entre nos mains. Grâce à ces petites bestioles bleues, elles nous portent chance. Tant mieux pour vous. On peut vous laisser maintenant, n'est-ce pas? Quoi? Jamais. Vous allez encore avoir l'occasion de nous porter chance. Pendant notre long voyage vers la cité perdue. Il y a une cité perdue? Ou dites, dites. Vous la verrez suffisamment tôt, mes petits amis. Et maintenant, fidèle balai, à la maison. Les filles, mes gentilles consoeurs de la traîtrise, c'est moi, le bon Gargamel. Coucou! Je viens vous acheter une toute petite pincée de votre poudre fantastique. Coucou! Y a quelqu'une? Oh, ces horribles vieilles rambières ne sont pas là, Israël. Je vais me servir moi-même, je ferai des économies. Un petit peu de bave de chouette, un peu de poudre de limace, un peu de ceci, un peu de cela. Les voilà. Il faut pas qu'elle nous trouve là, Azrael. Elle nous transformerait en crapaud. Vous serez très bien dans cette belle petite cage. Attention, il y a quelqu'un chez nous. Et moi, je sais qui c'est. Gargamel! Oh, si. Bonjour, cher collègue. Je passais dans la région. Menteur! Oh, en bas, tout de go! Non! Je me demande comment ces petits flacons ont pu se retrouver dans ton sac. C'est sûrement mon chat qui les a mis là pendant que je regardais ailleurs. Tu n'es pas honte, Israël, c'est très vilain. Tu as essayé de nous voler, Gargamel. Sors et n'essaye plus jamais de franchir cette porte. Laissez-nous partir, je vous prie. Oui. Il faut qu'on aille se coucher. Taisez-vous et reposez-vous, petite bestiole bleue. Bestiole bleue? C'est bestiole bleue, Azrael? Mais ça ne peut être que des schtroumpfs. Bientôt, très bientôt, nous serons en possession de l'objet diabolique le plus puissant que le monde ait connu jusqu'ici. Le sceptre de Yor. Qu'est-ce que c'est? Où il est? Je veux le voir! Je veux le voir! Yor est un grand sorcier qui vit au cœur de la cité perdue! Et on dit qu'il a créé un sceptre dont la puissance maléfique est absolument sans limite. Sans limite? Mais il me le faut, il me le faut, il me le faut!
te rappelle que nous nous mettrons en route dès le lever du soleil. Ne comptez pas sur nous pour vous le rappeler. Le grand Schtroumpf dit toujours qu'il faut savoir se hâter lentement, n'est-ce pas? Rien ne sert de courir, il faut... Cela dit, vous faites absolument comme vous voulez. Oui, aucun problème, n'est-ce pas? Azrael, nous allons les suivre discrètement jusqu'à la cité perdue et ils nous emparent sournoisement de ce sceptre. Et quand il sera en ma possession, je transformerai ces sorcières en statues de pierre et après, je pourrai m'occuper de ces horribles schtroumpfs. Oui, schtroumpf curieux! Schtroumpf maladroit! Schtroumpf aligné! Vous croyez qu'il a réarrivé quelque chose d'horrible? Je ne sais pas, mais c'est pas la peine de prévoir le pire. Grand Schtroumpf, regardez ce que j'ai trouvé. Ah, maintenant on peut prévoir le pire. C'est le sac d'ingrédients que je leur avais demandé de me rapporter. Venez, dépêchons-nous, il n'y a plus de Schtroumpf à perdre. Je suis sûr qu'il sait où sont les trois schtroumpfs. Je vais le lui demander. Gargamel, ici la voix de ta conscience. Conscience. Où sont les trois petits schtroumpfs? Où les trois petits nabots bleus, là-haut, dans la cabane des sorcières. Ça ne va pas être facile de les schtroumpfer de là. Il faut pas qu'ils se réveillent, Tu es content de toi maintenant? Schtroumpf curieux, tu as vu où on se retrouve? Mais j'ai pas fait exprès. Mais je suis sûr que le grand Schtroumpf il va venir de Schtroumpf et de là. Le grand Schtroumpf? Moi ça m'étonnerait, n'est-ce pas? Il ne pourra jamais nous retrouver, enfin. Nous sommes perdus, voilà. Nous sommes perdus. Là je l'ai dit, nous sommes perdus. Je me demande si je leur manquerai. Grand Schtroumpf. Pardon? Grand Schtroumpf. Justement, je disais aux autres qu'il fallait pas désespérer, que vous arriveriez bien à nous. Chut, tu parleras plus tard. Il faut d'abord vous sortir de là. Absolument. Schtroumpfez! Bravo. Maintenant, on rentre. Oh, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans ce beau parchemin. Non, le schtroumpf curieux recommence. Oh, je vais trouver un coup d'œil. Oh, ça alors. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un. Viens, schtroumpf curieux. Les bestioles bleues. Elles veulent s'échapper. Tout ce que vous gagnerez, c'est un retour. Et maintenant, il est grand temps de nous mettre en route pour la cité perdue. Avec nos porte-bonheurs, les bestioles bleues. Azrael, ce soir, quand le soleil se couchera, nous serons en possession du sceptre des petits schtroumpfs. Ensuite, repérez l'arbre au tronc torturé. Ensuite, tournez 5 fois jusqu'à la fourmilière. Vite, Azrael! Il ne faut pas se faire semer! Voilà la pierre verte, le nid du hibou! Dépêche-toi, Azrael! Dépêche-toi! Mais qu'est-ce que tu fais, Azrael? Tu traînes! Il faut y attraper! Oh, cette fois, ça y est, nous ne sommes plus très loin. Je sais. Je suis tellement heureuse que j'en embrasserai un crapaud. Oh, regarde, on y est.
entendu. Tu sens cette atmosphère diabolique? Oh oui, je la sens. Et bientôt, c'est nous qui régnerons sur cette ville. Mais qu'est-ce que... Gargamel! Merci, chers collègues, vous êtes des guides excellentes. Je vous emprunte votre balai et ce petit panier qui semble tellement vous embarrasser. Non, cette fois, nous sommes dans de sales schtroumpfs. Viens, Azrael, nous allons voler jusqu'à la cité perdue, mais pas pour tout le monde, et prendre le sceptre. Tu as entendu? Balai, vole bien haut dans le ciel. J'ai dit bien haut dans le ciel. Non. Oh, redescends. Attends, j'ai dit redescends. Mais l'atterrissage, cela dit, j'ai un peu de peine pour les petites bestioles. Pourvu que Gargamel souffre atrocement. Nous le ramasserons à la petite cuillère. En attendant, on confectionne un nouveau balai. Et on va chercher notre sceptre. Les Schtroumpfs, rien de cassé. Où êtes-vous? Nous sommes là. Et tout le monde est sain, Schtroumpfs. Tout le monde, à part le Schtroumpf maladroit, comme d'habitude, n'est-ce pas? Oh, mais je suis là, gros Schtroumpf. Schtroumpf maladroit, mais alors? Je suis là, moi aussi, grand Schtroumpf. Gargamel! Schtroumpf qui peut! Vous ne pourrez jamais m'échapper. Jamais! Bravo, Azrael. Oblige-les à rester là le temps de trouver cet idiot, le sorcier, et de m'emparer de son sceptre. Il faut absolument trouver ce sceptre avant Gargamel. Mais comment? Nous sommes pris au piège. Ce n'est pas sûr. Cette pierre est un peu décelée. Schtroumpf, fais-moi tous un coup de main. Allez, bravo, Schtroumpf costaud. Je sais que ce maudit sceptre est quelque part par là. Je le sais, je le trouverai. Apparemment, le sceptre ne se trouve pas par là. Venez. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, grand Schtroumpf? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites, si on allait schtroumpfer un coup d'œil. Attention, Schtroumpf curieux. Je sens un pouvoir diabolique derrière cette porte. Oh, moi, j'en ai des schtroumpfs tout partout. Oh, moi aussi, hein. Moi, j'aime pas les tout partout. J'entre le premier et vous me suivrez. D'accord, un schtroumpf. Cet endroit ne me plaît pas, n'est-ce pas? Moi, j'aime pas cette place-là. Regardez! Ça doit appartenir au sorcier de la cité perdue. Mais où il est, dites? Où est-il allé? Je crois que la réponse se trouve là où les schtroumpfs. Le sorcier a été transformé en poussière par le sceptre qui l'a créé. Oh, poussière! Eh oui! D'après les notes du sorcier, le sceptre était tellement diabolique qu'il ne pouvait plus le contrôler. Je crois que sa première expérience avec son nouveau sceptre a été la dernière. Il a tout juste réussi à le replacer dans le coffret. Dans le coffret là? Schtroumpf curieux, non, écarte-toi! Oh! Grand Schtroumpf! Grand Schtroumpf! Tout ça, c'est de ta faute, une fois de plus, Schtroumpf curieux! Si tu n'avais pas schtroumpfé ton nez là où il faut pas, ben ça serait jamais arrivé! Oh, excusez-moi, grand Schtroumpf, excusez-moi, je ne serai plus jamais curieux, je vous le promets. C'est trop tard! Oh! C'est fini pour lui comme ce sera pour vous! Quand je me serai emparé du sceptre. N'y touche pas, Gargamel. Il est à nous. Oh, question, il est à moi. Il est à nous. À nous. À moi. À nous. À moi. À nous. Vous allez me le payer très cher, vieille sorcière. C'est toi qui vas nous le payer. Je regretterai d'être venu au monde. On peut pas les laisser s'emparer de ce sceptre. Fini, il faut le faire en souvenir du grand Schtroumpf. Oui. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. Vite, il faut prendre le balai des sorcières. Oh, les petites bestioles bleues. Elles nous
vole notre sceptre. Revenez ici tout de suite, misérable vermisseau. Il faut se débarrasser définitivement de cette chose horrible. On n'y arriverait jamais, c'est impossible. Il le faut. Poussez. Ça y est. Youpi. Les grands Schtroumpfs auraient tellement été fiers de nous. Mais je suis fier de vous. Le grand Schtroumpf. Vous êtes vivant? Oui, mais je crois que j'ai eu beaucoup de chance. En détruisant le sceptre, vous avez rompu le sortilège. Mais il faut partir tout de suite. Tout ça, c'est votre faute. Le sceptre a disparu et les Schtroumpfs aussi. Non, c'est de ta faute à toi. Et on va te transformer en souris. Voilà la fin du terrible sceptre de la cité perdue. Et la fin des plans diaboliques de l'infâme Gargamel. Yeah! Au secours! Tu ne nous échapperas pas! Schtroumpf curieux, ta curiosité a failli provoquer un véritable désastre. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal à être un peu curieux. Tu as tort. Il y a un vieux dicton qui dit la curiosité est un vilain Schtroumpf. N'est-ce pas, grand Schtroumpf? Mais la curiosité peut être une qualité. Mais absolument, grand Schtroumpf. Comme je le dis toujours, et ça je ne le répéterai jamais assez, la curiosité, quand elle est motivée par un désir honorable d'élever son niveau culturel, ne peut être une seconde envisagée comme... Je serais curieux de savoir pourquoi il ne me laisse jamais finir mes phrases. Oh, balayer. La 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 la. Bonjour, Schtroumpf grognon. Je suis terriblement impatiente d'assister à la grande fête de la mouche de feu ce soir, pas toi? Moi, j'aime pas la grande fête de la mouche de feu. La grande fête de la mouche de feu devrait être schtroumpfement réussie, n'est-ce pas, Schtroumpf farisseux? Oui, mais pour tout préparer, c'est un Schtroumpf de Romain, je suis épuisé. Moi aussi, et je sais à qui je vais schtroumpfer de me remplacer. À qui? Schtroumpf Bonas, c'est évident, n'est-ce pas? La vie est belle, Schtroumpf Bonas. Oh oui, très belle, merci Schtroumpf à lunettes. Tu veux peut-être quelque chose? Eh bien, puisque tu le demandes, on aurait un ou deux petits services à te demander, n'est-ce pas? Comme je dois me consacrer à la surveillance des préparatifs et que le Schtroumpf maladroit doit m'assister, n'est-ce pas? Tu pourrais peut-être... Je suis un Schtroumpf qui dit jamais non. Même quand je dis oui, souvent je pense non. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai donc? Je ne sais pas dire non. Bonjour, Schtroumpf Bonas. Je suis un peu débordé et je me demandais si ça ne t'ennuierait pas, quand on aura fini de schtroumpfer la farine, de porter ces petites pierres au Schtroumpf bricoleur. Mais bien sûr, Schtroumpf costaud, je ne peux vraiment rien faire d'autre pour toi. Eh ben, tu pourrais peut-être me schtroumpfer un verre de salse pareil. Eh ben, voilà. Voilà les pierres que devait apporter le Schtroumpf costaud. Où je les mets? Tu pourrais pas nous schtroumpfer un coup de main? On n'avance pas vite, nous. Tiens, tu te les schtroumpfes toutes sur le mur. Où vous allez tous comme ça? Déjeuner. Tu veux pas qu'on te rapporte quelque chose? Oh, il fait une chaleur. J'irais bien schtroumpfer une tête dans la rivière. J'ai une petite course à faire, Schtroumpf Bonas. Ça t'ennuie pas trop que je te laisse terminer tout seul? Pas du tout. Vas-y, et aucun problème. Je te souhaite de schtroumpfer une excellente journée. Alors, où en sont les préparatifs de la grande fête de la mouche de feu? Bravo, beau travail, les schtroumpfs. Tout devrait être prêt pour la grande loterie du feu des marais. Schtroumpf Bonas, tu as fini de schtroumpfer mes fleurs, j'espère? Oh oui, presque schtroumpfette.
Il ne me reste plus qu'à faire... Schtroumpf Banane! Où sont tous les décors que tu avais promis d'installer? Bah, tu sais... Oh, Schtroumpf Banane! Tu pourrais venir Schtroumpf un œil par là? Schtroumpf Maladroit, j'ai besoin de lui, excuse-moi. Non, oui, je Schtroumpf aussi vite que je peux, je Schtroumpf mon possible, oui, assez! Tiens, il en a un mauvais caractère. Oh, est-ce que tu trouves la grande musique, je trouve coquet? Je trouve ça absolument divin. Moi, j'aime pas la musique. Moi, j'aime pas danser. Quelquefois, oui. Mais tu ne danses pas, Schtroumpf Banane? Je suis trop épuisé. Oh, c'est réconfortant de voir les Schtroumpfs s'amuser comme des petits Schtroumpfs. C'est la juste récompense d'un travail terminé. Quel travail? Ce travail... Qu'est-ce qu'il y a, Schtroumpf Bonasse? Ah, ça, je n'ai vraiment pas la moindre idée, n'est-ce pas? Schtroumpf Bonasse, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne schtroumpfes pas avec les autres? Je ne sais pas trop, j'ai pas envie. Je suis un petit peu fatigué. Les autres schtroumpfs ne sont pas fatigués. Ils ont tous l'air de schtroumpfer du bon temps. Oui, mais ça, c'est parce que les autres schtroumpfs, ils m'ont demandé de faire leur... Grand schtroumpf. Nom d'un petit schtroumpf, il est temps de tirer la loterie du feu du marais. Oh oui, mais il veut, mais je aussi. Et puis schtroumpf, alors. Avis, c'est la population schtroumpf. Le grand schtroumpf a une schtroumpfante déclaration à faire. Nous aurons aujourd'hui notre grande soirée de la grande fête de la mouche de feu et nous allons organiser notre loterie pour choisir celui qui ira schtroumpfer le feu des marais. Le schtroumpf désigné par le sort se rendra au grand marais demain matin et devra capturer la flamme sacrée du feu des marais. Cette belle flamme, cette flamme seule qui allumera la lanterne de la mouche de feu et qui marquera l'ouverture de la grande fête de la mouche de feu. Mais celui qui sera élu devra prendre garde de ne pas éteindre définitivement le feu des marais. Bien, tout le monde schtroumpf un pas en avant et commence à piocher dans le panier. Celui qui tire une schtroumpf verte sera schtroumpfé, le schtroumpf du feu des marais. Schtroumpf paresseux. Heureux à ton tour. Tout de suite, grand schtroumpf. C'est le schtroumpf peureux qui a schtroumpfé la schtroumpf verte. Toutes nos félicitations. C'est toi qui es déclaré schtroumpf du feu des marais. Ouais. C'est toi demain qui allumeras cette torche avec le feu des marais. Bonne chance. Schtroumpf. Schtroumpfé? Excuse-moi, Schtroumpf Banane, désolé de te déranger. Quoi encore? Je suis schtroumpfé et j'en ai assez d'être schtroumpfé à toutes les sauces. Schtroumpf peureux, qu'est-ce que tu as? Excuse-moi, Schtroumpf Banane, je voudrais te demander un petit service. Comment t'as deviné? Oh, comme ça, coup de chance. Ce que je suis bête, comment je peux me laisser entraîner dans des schtroumpfs pareils? Hein? Bonne chance, schtroumpf Banane! Le grand marais, nom d'un schtroumpf s'étonnera et... Hop! Vaseux. Nom d'un petit schtroumpf, c'est la dernière fois que j'accepte de schtroumpfer quelque chose pour un autre schtroumpf. Je ne vois pas trace du feu des marais. Mais qu'est-ce que je peux faire pour... le feu des marais? Ah!
suis vraiment complètement schtroumpf pour me schtroumpfer dans une telle aventure. Ah, c'était plus facile que je croyais. Oh, le feu démarré, il est éteint. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maudit celui qui a tué ma flamme. Maudit soit celui qui me meurtrit l'âme. Non, je ne crois pas qu'il y ait un malentendu. Oh, faites, c'est un accident. Je vais vous ex... Maudit soit celui qui me meurtrit l'âme. C'est parfait. Maintenant, il ne reste plus qu'à schtroumpfer le retour du schtroumpf peureux. Pourvu que cet orage ne lui ait pas trop fait peur. Effrayé de se schtroumpfer, il va bientôt faire nuit. Où est schtroumpf Bonas? Il devrait déjà être revenu. Pourvu qu'il lui soit rien schtroumpfé de grave. Oh, mais s'il lui était schtroumpfé quelque chose, c'est moi qui l'ai envoyé là-bas. Oh, si seulement j'avais pas aussi peur. Ah, de toute façon, il n'y a qu'une chose à faire. Il faut que je trouve à sa recherche. Ah oui. Ah. À la réflexion, oui, j'irai. Non, je vais pas. Je trouve peur. Il faut que tu te reprennes. Courage, j'arrive, je trouve bonas. Ah, tu es là, schtroumpf peureux. Tiens, grand schtroumpf. Tu es déjà revenu, c'est bien. Nous allumerons la lanterne tout de suite après la parade. Et à propos, tu as bien pris garde de ne pas éteindre définitivement le feu des marais. Oui, grand schtroumpf. Qu'est-ce qui serait arrivé si je l'avais éteint? Si tu l'avais éteint, tu aurais réveillé le monstre du Schtroumpfness. À tout à l'heure, schtroumpf peureux. Le monstre du Schtroumpfness? Oh, pourvu que le schtroumpf Bonas ne l'ait pas réveillé. Bon, on va bien voir. Celui qui me meurtrit là. Schtroumpf Bonas. Oh, au secours. Schtroumpf Bonas, c'est toi. Au secours. Schtroumpf peureux. Oui, oh, Schtroumpf Bonas. Parce que je suis content de te voir. Et Bruno, tu viens, il faut filer d'ici avant que... Avant que quoi? Avant ça. Maudit soit celui qui a tué la flamme. Maudit soit celui qui me meurtrit l'âme. Schtroumpf peureux, Schtroumpf qui peut. Maudit soit celui qui a tué la flamme. Maudit soit celui qui me meurtrit l'homme. Grand Schtroumpf. Les Schtroumpfs sont prêts pour la parade, n'est-ce pas? Mais on ne trouve pas la torche de feu des marais, n'est-ce pas? Mais je viens de voir Schtroumpf peureux et il m'a dit qu'il a... À moins que... C'est Schtroumpfement bizarre. Mais Schtroumpf peureux, il n'a pas la torche. Moi, j'aime pas attendre. Ah, Eh,
Est-ce que quelqu'un a schtroumpfé le schtroumpf peureux? Moi, je l'ai vu chez le schtroumpf bonasse hier soir, grand schtroumpf. Chez le schtroumpf bonasse? Quelqu'un a schtroumpfé le schtroumpf bonasse aujourd'hui? Ah non, grand schtroumpf. Je crois que je schtroumpf à comprendre. Schtroumpf bonasse, schtroumpf bonasse. Au secours! Mais qui est-ce? C'est quoi cela? C'est Pris Schtroumpf. Il le dirige vers le village. Il dirige qui, le gros Schtroumpf? Le monstre du Schtroumpfness, ils l'ont réveillé. Yo, le monstre du Schtroumpfness. Prenez vos Schtroumpfs à votre cou, évacuez tous le village et attendez de l'autre côté de la rivière, Schtroumpf. Maudit soit celui qui a volé la flamme. Maudit soit celui qui me meurtrira. Grand Schtroumpf, le monstre du Schtroumpfness. Schtroumpf heureux, tu m'as bien dit que tu n'avais pas schtroumpfé le feu des marais. C'est moi qui l'ai schtroumpfé, mais je ne l'ai pas fait exprès. J'aurais peut-être dû te dire de faire plus attention. Maintenant, il faut qu'un volontaire retourne au marais pour allumer la flamme. Vous voulez qu'on retourne là-bas? Maudit soit celui qui a volé la flamme. Maudit soit celui qui me meurtrira. J'y vais, grand Schtroumpf. C'est moi qui ai schtroumpfé la flamme. J'y vais aussi. C'est moi qui aurais dû faire ce travail. Vous n'avez pas trop peur, Schtroumpf bonasse et Schtroumpf peureux? Tenez, prenez ce parchemin, lisez ce qui est écrit dessus. En cas de danger, vous serez protégé. Vite, allez, Schtroumpf, fait votre devoir. Oui, grand Schtroumpf. Et rappelez-vous bien, il n'y a pas de honte à avoir peur. Tout le monde a eu peur de quelque chose. Oui, grand Schtroumpf. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et si vous avez peur, n'ayez pas honte. Tout le monde a eu peur dans sa vie, même moi. Oui, même moi. Et il m'est arrivé d'avoir peur moi-même. Nous avons tous peur, mais pas des mêmes choses. Certains ont peur de l'orage, d'autres des serpents, d'autres des fantômes, des ténèbres, des bourdons même. Du bruit du vent dans les branches d'arbres. Alors essayez de ne pas avoir peur. Et si vous avez peur, n'en ayez pas honte. Tout le monde a peur. Tout le monde. Même moi. C'est un monstre schtroumpfement grand, avec d'énormes dents, n'est-ce pas? Des dents grandes comme ça. Schtroumpf à lunettes, je t'ai dit de faire évacuer le village, pas de créer une panique. Eh bien voilà, en fait c'est... Et où est le monstre du Schtroumpfness, grand Schtroumpf? Le monstre du Schtroumpfness est reparti vers les marais. Mais où sont passés le Schtroumpf peureux et le Schtroumpf bonasse? Il lui montre le chemin. Il lui montre le chemin? Maudit soit celui qui a volé la flamme. Maudit soit celui qui me meurtrit. Ça y est, on a réussi. Il ne nous reste plus qu'à rallumer le feu des marais. Laisse-moi d'abord rechtronfer mon souffle. Dépêche-toi, le monstre ne doit pas être bien loin derrière. Dites, lis le parchemin. Esprit ancien des nuits d'été, aide-nous à schtroumpfer correctement. Donne-nous la force en cette heure d'affolement et le cœur joyeux, nous serons sauvés. Oh là là. Monsieur le monstre, c'est moi qui éteins le feu, mais je n'ai pas fait exprès, excusez-moi. Oh là là. À toi de jouer, Schtroumpf bonasse. Non, c'est toi le Schtroumpf du feu des marais, à toi de jouer. Moi, je... Oh oui, quoi, il n'y a pas d'autre Schtroumpf? Mais moi, je... Attends. Schtroumpf heureux, fais-le. Fais-le. Oh, tu as raison. C'est à moi de m'en charger. J'ai réussi. J'ai schtroumpfé le feu des marais. Oh là là. Excuse-moi,
de t'avoir demandé de faire le travail à ma place. Oh, ça va, c'est pas grave. Mais je te félicite. Tu as été très courageux. Ah oui, mais tu m'as aidé. Mais je t'aide toujours. Oh, la lune est déjà haute dans le ciel. Vaut mieux se schtroumpfer très vite. Mais où sont-ils encore passés, grand schtroumpf? Peut-être que le monstre du schtroumpfness les a attrapés. Oui, peut-être qu'il les a schtroumpfés pour son déjeuner, n'est-ce pas? Tais-toi, schtroumpf à lunettes, ils vont revenir. Pourvu qu'ils soient là avant que la lune soit au zénith. Et voilà, ils rapportent le feu des marais. J'avais bien dit qu'ils allaient revenir, n'est-ce pas? Ah oui, je l'avais dit. Il ne faut jamais désespérer. Il faut toujours avoir confiance dans l'avenir. Et c'est pour ça que... Ma place? Pas question. Je te laisse résoudre tes problèmes tout seul. Oh, tu as vu ça? Je vais schtroumpfer ma collection. Tu as vu, elle est gâtée. Cette schtroumpfement merveilleusement pourrie. Attrape, c'est pour toi. Allons, allons, les schtroumpfs, il est temps de schtroumpfer son courage à deux mains de nettoyer cette pagaille. Oh, quelle pagaille! Hé, schtroumpf bonas, ça t'ennuierait pas de schtroumpfer un coup de balai pour moi, n'est-ce pas? Oh, bonjour. Schtroumpf bonas, tu pourrais schtroumpfer ces pierres, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Bon, maintenant je ne serai plus le bonas de personne. On m'y schtroumpfera plus. Je n'ai plus peur, c'est fini, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Bonjour, schtroumpf bonas. Dis, je me demandais si tu ne pourrais pas... Non. Oh, schtroumpf bonas, tu ne ferais pas, mais... Non. Et schtroumpf bonas, tu... Non. Et schtroumpf bonas. Non. Non. Coucou, schtroumpf bonas. Bonjour, schtroumpf bonas. Je me demandais si tu ne pourrais pas... Je ne sais pas ce que vous voulez, mais la réponse est non, 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 non. Bon, très bien, excuse-moi. Je voulais simplement t'inviter à déjeuner. M'inviter à... Pour le déjeuner, je crois que je pourrais répondre oui. Attendez-moi. Oh, le printemps! Oui, schtroumpf paysan, c'est l'époque de l'année où le cœur de chaque créature bat la chamade. C'est la saison des amours. Ah, et des mariages! Oui, des mariages aussi. Ce lapin doit être terriblement pressé. Il n'a pas pris le temps de nous saluer. Et où cours-tu donc aussi vite, mon ami aux grandes oreilles? Vous vous mariez demain matin? Oui, vous avez 10 000 choses à régler, on ne vous retient pas. Et mes amitiés à madame? Hein? L'amour et le mariage, l'amour et le mariage. Eh oui, sauf pour moi. D'ailleurs, qui pourrait vouloir se marier avec moi? La 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 la. Bonjour, schtroumpf paysan. Tu trouves pas que cette journée est absolument radieuse? Tiens, cette fleur est pour toi. Accroche-la à ton bonnet. Oh, oh bien. Merci, schtroumpfette. Et pourquoi ma langue fait-elle un vide dans ma bouche chaque fois que j'essaie de parler à la schtroumpfette? Est-ce que ça veut dire que... Je suis amoureux de la schtroumpfette. Oui, je suis amoureux de la schtroumpfette. Ah, un fring marié formidable. Oh. Mais qu'est-ce que la schtroumpfette ferait avec un paysan comme moi? Oh. Qu'est-ce que je pourrais faire pour qu'elle me remarque? Je pourrais lui écrire un poème. C'est une idée merveilleuse, à part un détail. Je ne sais pas écrire des poèmes. Mais il y a un schtroumpf qui en est capable, lui. Schtroumpf poète, j'ai besoin de ton aide. Mais qu'est-ce que je peux faire pour toi?
J'ai besoin d'un moyen pour exprimer mon amour à la Schtroumpfette. Et je me demandais si je pouvais écrire un poème où tu lui révélerais ton amour. Mais avec grand plaisir. Oh, ça doit rester notre secret. Oh, m'as-tu, c'est Schtroumpf cousu. Bon, maintenant il me faudrait un Schtroumpf qui accepte de lui porter cette lettre. Schtroumpf grognon, bien sûr. Schtroumpf grognon, tu voudrais pas aller remettre cette lettre à la Schtroumpfette? Mais je t'en prie, il faut que tu me promettes le secret. Moi, j'aime pas le secret. N'oublie pas, Motus et Schtroumpf cousu. Qui ça peut bien être? Schtroumpf grognon, bonjour. Tenez. Oh, c'est d'un admirateur inconnu. Oh, j'adore les admirateurs inconnus. Moi, j'aime pas les admirateurs inconnus. Oh. Oh, comme il écrit bien! Je peux dire en lisant son poème qu'il est très beau, très distingué, très raffiné et romantique et gentil. Donc tellement Schtroumpf! Oh, je vais lui répondre tout de suite. Schtroumpf grognon, il faut lui remettre ma réponse aujourd'hui. Il faut que tu me promettes le secret. Moi, j'aime pas le secret. Oh, admirateur inconnu, mon cœur est en feu. Je suis toute frissonnante à l'idée de découvrir ton nom. Alors, admirateur inconnu, qui que tu sois, derrière le grand chêne, ce soir, retrouve-moi. Tu as entendu? Elle veut que je vienne la retrouver. Oh non, non, pas du tout, c'est pas moi. Elle veut retrouver son admirateur inconnu. En fait, j'ai l'impression qu'il faudrait que quelqu'un m'aide à être plus schtroumpf. Mais qui? Où est-ce que je peux trouver un schtroumpf qui soit doux, raffiné et distingué? Si tu ajoutes très beau, ne cherche plus. Tu as trouvé le bon schtroumpf. Bien sûr. Je crois que tu es le schtroumpf idéal pour m'apprendre à boire du cerne. Mais il faut que tu me promettes le secret. Tu ne dois le dire à aucun schtroumpf. Ne t'inquiète pas, j'ai compris. Motus et schtroumpf cousu. Oui. Tu crois vraiment que ce masque va me transformer de paysan un peu lourdon en un schtroumpf distingué et charmeur? Schtroumpf paysan, avec ce masque, tu vas être irrésistible. Essaie-le. En effet, ça change mon physique. Elle ne me reconnaîtra jamais. Merci, Schtroumpf Nicoleux. Et n'oublie pas, tu m'as promis de garder le secret. Dire que j'ai la formule pour transformer des Schtroumpfs en or et que je ne peux pas le faire parce qu'il me manque un ingrédient. Des Schtroumpfs. Après avoir porté à ébullition, ajouté 6 Schtroumpfs et laissé mariner 6 Schtroumpfs. C'est tout ce qu'il me faut, 6 petits Schtroumpfs. Grosse bouffe à faim. Oh. Et quand grosse bouffe à faim, il faut qu'il mange. Oh, voilà autre chose. Oh, c'est normal, mais c'est gentil d'être pote chez nous. Hein. Mais au lieu de manger mon matériel de laboratoire, vous ne préféreriez pas, je sais pas moi, un ragoût de pierre avec une sauce au limon relevée par des bonnets de schtroumpf? Ah, grosse bouffe aime bien les ragoûts de pierre avec une sauce au limon relevée avec des bonnets de schtroumpf. Voilà, alors si vous pouviez me rapporter 6 schtroumpfs, je vous préparerais un festin. Un énorme chaudron de ragoût de pierre avec une sauce au limon relevée avec des bonnets de schtroumpf. Du ragoût de pierre dans une sauce au limon relevée avec des bonnets de schtroumpf. Oh oui, alors, ça c'est gros miam-miam. Azrael, grosse bouffe est la réponse à toutes mes prières. Nous allons enfin avoir ces schtroumpfs, Azrael. Elle va arriver d'une minute à l'autre. Il vaut mieux mettre ton masque. Oh. Allez. Ouh. Ah, mais qui êtes-vous? Non, d'un schtroumpf, mais votre beauté fait déjà frémir mes rames. C'est beauté et c'est mon âme. Mais c'est bon, pardon. Mais pourquoi portez-vous un masque, admirateur inconnu? Parce que je veux que vous m'aimiez pour ma beauté intérieure. Si je vous découvrais mon visage... Vous seriez fasciné à la vue de ma beauté exceptionnelle. Hein? Vous seriez fasciné à la vue de ma beauté exceptionnelle. Et vous ne sauriez jamais qui je suis réellement. Et il vaudrait peut-être mieux ne pas trop en faire, hein? Quand elles sont sous le charme, il faut schtroumpfer. Depuis notre rencontre sous le chêne, je vous connais bien davantage, mystérieuse inconnue. C'est vous que j'adore. Oh, je ne sais plus trop quoi faire. Je l'aime, bien sûr, mais... Oh, dis, tu veux bien porter ceci à mon admirateur inconnu? Mais promets-moi de garder le secret. Moi, j'aime pas le secret. Mystérieuse inconnue, c'est vous que j'adore. Oh... La Schtroumpfette n'est pas amoureuse de moi, elle est amoureuse d'un mystérieux inconnu, oui. Quand elle découvrira que l'admirateur inconnu est un nigaud de paysan, je serai la risée de tout le village, moi. Faut-il lui dire la vérité? Schtroumpf paysan? Attends! Mais qu'est-ce que tu fais là? Et que moi, je...
à manger, grosse bouffe à faim. Bah, c'est bizarre, grosse bouffe aurait juré avoir vu deux schtroumpfs. Grosse bouffe à un schtroumpf, donc il lui faut donc 1, 2, 7, 9, 3, 4, il ne reste plus que 5. Et hop, si, voilà. Puis grosse bouffe aura un ragoût de pierre avec une sauce au limon relevé avec des bonnets de schtroumpf. Comment, tu n'as pas de droit? C'est à toi le schtroumpfer. Personne n'a vu la schtroumpfette et le schtroumpf paysan. Le temps se gâte. S'ils sont dans la forêt par un orage pareil, je suis inquiet. Ils ne sont pas forcément en sécurité. Mes amis, je crois qu'il vaut mieux partir à leur recherche avant que l'orage soit trop violent. Je ne comprends pas pourquoi ils sont allés dans la forêt alors qu'ils savaient qu'un orage allait éclater. Oh, au secours, schtroumpfette! Ah, mais on dirait la voix d'un petit schtroumpf. Oh, au secours, au secours! Mais j'avais raison. Il est tout plein de boue, mais il a son poney. Avec lui, ça va faire deux schtroumpfs. Si ça fait deux schtroumpfs, il en faut combien encore pour faire six? Alors, un, deux, sept. J'ai pas assez de doigts pour compter les schtroumpfs. Et il faut que j'attrape des schtroumpfs si je veux manger un ragoût de pierre avec une sauce au limon. Il y a tous les ingrédients, Azrael. Quelques pierres, du limon, de la mare. Tout ce qui manque, ce sont les six schtroumpfs. J'aurais jamais cru que ça finirait comme ça, hein? Bouillir dans un ragoût de pierre. Nous avons vécu tant d'années dans ce village et pourtant nous ne nous connaissons pas vraiment. Ça, c'est bien vrai. J'aurais voulu avoir la chance de mieux vous connaître, mais maintenant nous n'avons plus le temps. Autant te révéler mon secret. Je suis amoureuse du plus romantique, du plus beau, du plus merveilleux, du plus sensible des schtroumpfs. Il écrit des poèmes magnifiques et il sait schtroumpfer les compliments. Et maintenant, je sais que je ne reverrai plus jamais. Qui est-ce, Schtroumpfette? Je ne sais pas. Il ne m'a pas révélé son identité. Mais il m'a demandé de l'épouser. Après avoir longuement réfléchi, j'allais lui répondre que j'étais trop jeune pour me marier. Mais quelle importance maintenant! Je serai bientôt dans le chaudron de Gargamel. Schtroumpfette, je sais que votre admirateur inconnu vous comprendra. Et il ne pourra jamais, jamais vous oublier. Oh, schtroumpf paysan, je me sens déjà mieux. Ah, tu es un ami merveilleux. Tu as un secret, toi aussi? Oui, schtroumpfette, moi aussi. En fait, J'ai faim. Je vais manger tout ça. Non, grosse bouffe, pas cela, alors. Et pourquoi pas cela, grosse bouffe, à faim? Parce qu'ils sont dangereux. Une bouchée de ces champignons vénéneux et vous mourrez. Des champignons vénéneux? Le petit schtroumpf, tout plein de boue, a prévenu grosse bouffe de ne pas manger des champignons mortels. Alors il est normal qu'il soit libéré. Alors tu les as, les six bonnets de schtroumpf pour le ragoût aux pierres à la sauce au limon, miam miam. Et juste, attends, hein, le ragoût est prêt, il ne manque plus que les six chapeaux. Gargamel vous a fait marcher. Six bonnets de schtroumpf rendraient le ragoût de pierre immangeable. Le meilleur assaisonnement pour le ragoût aux pierres, ce sont deux chaussures rouges. Oh. J'ai faim. Grosse bouffe a trouvé deux chaussures rouges. Maintenant, grosse bouffe peut déguster le ragoût de pierre à la sauce de limon avec des chaussures rouges. Le ragoût de pierre avec des petites chaussures rouges est parfait. Du ragoût de pierre avec des petites chaussures rouges coupe bien la fétigle. Je crois que ça devrait schtroumpfer comme ça. De toute manière, j'ai schtroumpfé un poème tout seul. L'amour est... Schtroumpf paysan, je t'ai apporté ton déjeuner. Oh, c'est schtroumpfement gentil de votre part, schtroumpfette. Oh, qu'est-ce qu'il y a sur ce bout de papier? C'est un poème que j'ai schtroumpfé, mais vous allez vous moquer. Oh non, pas du tout, c'est juré. Juré, oh. L'amour, c'est comme un noyon. Parfois, ça fait pleurer. Mais par contre, l'amitié, c'est comme un bourgeon. Ça grandit avec l'été. Thank you.
niveau de la rivière monte bien trop vite. C'est vrai, la rivière n'a jamais été aussi haute. Je n'arrive même pas à m'admirer. Le printemps est en avance cette année. Le barrage pourrait ne pas résister. Qu'est-ce que c'était, grand Schtroumpf? C'est exactement ce que je craignais. Cours chercher le Schtroumpf bricoleur, il faut renforcer le barrage au plus vite. J'y vais, mon grand Schtroumpf. Pourvu que les nouvelles du mont Schtroumpf soient bonnes, sinon tout le village risque d'être inondé. Schtroumpf, c'est horrible. Pourquoi le grand Schtroumpf m'a-t-il envoyé ici? Mon rhume s'aggrave, je devrais être à la maison dans un lit bien douillet. Et moi alors? Je devrais être au village, on ne sait jamais ce qui peut se schtroumpfer. Le grand Schtroumpf a besoin d'un Schtroumpf d'expérience, n'est-ce pas? Non, arrêtez donc de vous plaindre tous les deux. Le grand Schtroumpf nous a envoyé voir la hauteur de la couche de neige, et c'est exactement ce que nous allons faire. Schtroumpf, oui, Schtroumpf. Il faut vraiment qu'on grimpe là-haut. Oui, Schtroumpf à lunettes, tu vérifieras la hauteur de la neige quand on sera au sommet. Bon, je crois que nous y sommes. Schtroumpf. Si on peut schtroumpfer le rocher schtroumpfé, on sera certain d'être à la bonne schtroumpf pour mesurer la hauteur de la schtroumpf, n'est-ce pas? Schtroumpf à lunettes. Oui. C'est là, c'est le rocher schtroumpfé. Mais pourquoi est-il si minuscule cette année? En général, il fait 6 schtroumpfs de haut. Mesure, schtroumpf à lunettes. Voyons si la hauteur de la couche dépasse la marque rouge sur le bâton. Très bien, je peux vous assurer que la hauteur de la couche est exactement celle à laquelle on peut s'attendre. Oh, schtroumpf à lunettes, tu t'es fait mal? Aidez-moi la schtroumpf de là! Vite, aide-moi, il faut sortir le schtroumpf à lunettes de là! Merci, mais très sincèrement, j'aurais très bien pu me schtroumpfer tout seul. Schtroumpf à lunettes, tu t'es fait mal? Alors, réflexion, je ne pourrais peut-être pas schtroumpfer tout seul, et vous? C'est terrible. À qui le dites-vous? J'ai oublié d'apporter mon thermos. Non, je voulais dire qu'il y a trop de neige pour cette époque de l'année. Si le soleil fait fondre toute cette couche, la rivière va gonfler, le barrage va céder, et le village va être... détruit? Schtroumpf. Avant toute chose, il ne faut pas schtroumpfer à la panique et restons calmes et additionnons schtroumpf et schtroumpf et nous trouverons certainement une... Attendez-moi! J'appellerai ça une serre. Les fruits et les légumes pousseront même quand il fera froid. Il fait très beau dehors. Schtroumpf bricoleur, le grand schtroumpf a besoin de toi au barrage tout de suite, c'est très urgent. J'arrive, grand schtroumpf, j'arrive! C'est en schtroumpfant qu'on a vu un schtroumpf, et comme je skie beaucoup, il m'a été facile de prendre des vitesses de schtroumpf malade. Ben voilà. Nous allons attendre le schtroumpf malade ici. Quel dommage que le printemps arrive aussitôt cette année, n'est-ce pas? J'ai à peine eu le temps de vous faire profiter de mes talents d'alpiniste. Mais qu'est-ce qui se passe? Si on se base sur la loi de la gravité schtroumpf, il y a de fortes chances pour qu'on arrive très vite au bas de la montagne. Les premières fleurs du printemps. Oh, mais j'avais jamais vu des fleurs aussi jolies. À moins que... Nous n'avons pas le temps de schtroumpfer des fleurs, somme faite. Le grand schtroumpf est... quel parfum. Le grand schtroumpf? Mais qui est le grand schtroumpf? Le grand schtroumpf? Aucune idée. Schtroumpf, dépêchez-vous, voyons, le grand Schtroumpf nous attend. C'est bizarre, en course, non. Où on y va? Je me demande qui c'est. Je me demande qui vous êtes. Je me demande qui je suis. Dépêchez-vous, l'eau monte très vite. C'est le dernier grand Schtroumpf. Parfait, Schtroumpf bricoleur, ouvre la vanne. Youpi! La vanne est ouverte, mais le barrage aura quand même du mal à résister. Je ne comprends pas. Sans leur rapport sur la densité de la neige, je ne sais pas si on doit évacuer le village. Ils devraient déjà être revenus. Schtroumpf! Oh non, mon rhume s'arrange pas. Par là! Le village, il est par là! Mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous comprenez-vous? Non, mais à première vue, ça paraît très important. Je me demande qui c'est. Dépêchez-vous! Tu ne veux vraiment pas quelques fleurs? Elles sont magnifiques, tu sais. Non, pas de fleurs, non. Je suis allergique aux fleurs, moi. La 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 schtroumpf. La 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 schtroumpf. La 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 la. Azrael, je suis aussi allergique aux chats, moi. Surtout à celui-là. Viens, viens, joli petit chaton. Oh, qu'il est mignon. On dirait qu'on lui plaît bien.
Tiens, Minet, sens ces jolies fleurs. Elles sont pas magnifiques? Plus vite, plus vite! Si l'eau continue à monter, ben le barrage, il va céder. On est revenu. Ah, vous voilà enfin? Alors cette couche de neige, ben, je trompe. La couche de neige? Excuse-moi, quelle couche de neige? Ben, celle-ci, c'est celle que vous deviez schtroumpfer. Ben, la couche de neige, schtroumpf. Ah, une jolie fleur, tu veux? Ce sont les toutes premières du printemps. Mais le grand schtroumpf, il a besoin de savoir. Merci. A besoin de savoir. Qui a besoin de savoir, hein? Il a besoin de savoir quoi? La couche de neige, le grand schtroumpf, a besoin de savoir... Une pour toi, une autre pour toi, et une autre pour toi. Ah, quand c'est schtroumpf, je me demande pourquoi c'est fait. Allez, je sais, je... Bon sang, ce que j'ai faim. Ben, je me demande ce que j'aime manger. Ah, bon, c'est... Voyons ce qu'il y a dans cette petite boîte. C'est un cadeau pour moi. C'était bon? Ouais, je crois, oui. Mais qui sont donc tous ces étranges petits êtres bleus? Je ne sais pas qui vous êtes, vous. Oh, mais vous avez un physique fantastique. Grand schtroumpf, grand schtroumpf, grand schtroumpf. Mais qu'est-ce qu'il a, celui-là, à éternuer comme ça? On s'en moque, nous chantons. C'est ce que je craignais. À ce rythme-là, le barrage va s'effondrer dans une heure. Il faut évacuer le village tout de suite. Oh, schtroumpf malade, la couche de neige, quelle épaisseur. Grand schtroumpf, il y a quelque chose de... Ah, schtroumpf avec... Les autres schtroumpfs... C'est bizarre. Schtroumpf, pourquoi avoir arrêté votre travail au barrage? Quel barrage? Quel travail? Oui, quel schtroumpf? Grand schtroumpf, j'essayais de... Schtroumpf, vous pouvez peut-être me dire ce qui se passe? Moi, mais je ne sais pas, j'ai oublié. Vous voulez une fleur? Grand schtroumpf, non, surtout ne... Que nous a dit Dame Nature déjà à propos de ces fleurs? Grand schtroumpf, non, mais... Mais qui est-il? Mais qui suis-je? Grand schtroumpf, la couche de neige, elle est... trop épaisse, le village est en... danger. Quelle couche de neige, hein? Mais quel village? Quel danger? Le grand schtroumpf a dit que Dame Nature nous avait mis en garde contre ces fleurs. Mais il faut que je la retrouve. Au secours, Dame Nature! Tiens, tiens, on dirait la voix d'un petit schtroumpf. Dame Nature! Allons, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Dame Nature, il faut les aider à... Allons. Explique-moi tranquillement ce qui se passe. Voilà, tout a commencé quand le grand schtroumpf nous a envoyé mesurer la hauteur de la couche de neige. Parce que l'eau de la rivière montait trop vite et le barrage allait céder. Et puis la schtroumpfette et le schtroumpfette ont trouvé des fleurs jaunes qui leur ont fait tout oublier. Des fleurs jaunes? Oui. Ils oublient? Oh mais oui, j'avais complètement oublié ces terribles petites fleurs de l'oubli. Bien, elles m'auront créé des problèmes pour la dernière fois. Un violent coup de froid va les guérir sur place et changer rivières et torrents en glace. Merci, Dame Nature. Il faut que je rentre vite au village. J'avais pourtant dit au maître du temps que le printemps arrivait trop tôt cette année. La prochaine fois, il m'écoutera peut-être. Alors il neige. Moi j'aime pas il neige. Schtroumpf à lunettes, comment on est arrivé là? Je ne sais pas, Schtroumpfette, mais si vous avez quelques minutes à m'accorder, n'est-ce pas? Je dois pouvoir déduire... Parfait, te fatigue pas. Mais où suis-je? Ah, je suis là. Les premières fleurs du printemps, ben, elles sont toutes mortes. J'ai l'impression que Dame Nature, je trouve que c'est préférable. Je vais vérifier le barrage. Peut-être que ce temps froid va geler l'eau et sauver le village. Le niveau de l'eau a cessé de monter. Le village est sauvé. Mais Schtroumpf, je crois que je m'enrhume. Schtroumpf, voilà.
Merci, Schtroumpf-Malade. Schtroumpf. Un bon passage avec Vermi Schtroumpf. Youpi! Faut te coucher toi aussi, Schtroumpf gourmand. Il faut pas graver ton rhume. Et crois-moi, je te Schtroumpf en connaisseur. Schtroumpf-Malade, tu veux bien m'apporter du potage au Vermi Schtroumpf? Et moi. Oh, vivement que tout le monde soit à nouveau guéri, que je puisse être tranquillement malade. Si seulement le grand Schtroumpf avait envoyé quelqu'un d'autre ramasser ces champignons. Et pourquoi on les Schtroumpf uniquement dans la partie la plus inquiétante de la forêt? Bien sûr, toutes ces parties de la forêt me font très peur. On ne sait pas ce qui peut vous Schtroumpfer sous le nez à tout moment. Et maintenant, déposons la rosée. Déposons la baie, posons la rosée. Et non, c'est pas ça. Je dépose la rosée. En plus, c'est pas grave. Oh, j'en peux plus. J'ai fait une petite sieste, je terminerai plus tard. Bonsoir. Encore un dernier champignon et le grand Schtroumpf en aura assez pour sa potion. Et moi, je pourrai enfin Schtroumpfer cet endroit lugubre. Oh, voilà! Schtroumpf alors! Oh oui, il est énorme ce champignon! Au secours! Mon ami, s'il vous plaît! Je ne vous ferai pas de mal! Je suis seulement l'elfe des pluies! Je suis vos arroses! Mais cette fois-ci, j'ai commis une petite erreur! Venez m'aider à sortir de là, n'ayez pas peur! Ben, je sais pas trop, je peux essayer! Ah non, non, ça marchera pas comme ça! Et la membrane de la bulle est trop solide! Il n'y a que ma baguette qui peut faire éclater la bulle! Allez-y, n'ayez pas peur! Enfin libre! Oh, merci, merci! Et qu'est-ce que vous voulez comme récompense? Comme récompense? Oui, dites-moi ce que je peux vous donner. Eh ben, je sais pas, moi. Est-ce que je peux vous emprunter votre baguette? Oui! Si vous me promettez de la rapporter au crépuscule, j'ai tellement de gouttes de rosée à déposer à ce soir! Ça a l'air une vraie baguette magique! Ça se trouve! Personne ne peut m'attaquer là-dedans! Et maintenant, je n'ai plus aucune raison d'avoir peur. Il n'y a que la baguette magique qui peut faire éclater la bulle. Ah, eh bien, je te Schtroumpf, mon bonnet, que je la fais éclater, moi, cette bulle. Ah, et c'est toujours Schtroumpf costaud. Non, Schtroumpf costaud, c'est tout simplement un problème de pression d'air, n'est-ce pas? Si tu dis Schtroumpf fait un peu en pression d'air, tu n'aurais aucun problème à faire éclater cette bulle. Cela dit, si on y réfléchit bien, je conçois que tu me sois inférieur dans ce domaine, car je suis le bâton de pèlerin du grand Schtroumpf, n'est-ce pas? Ah, et c'est pour cette raison. Si tu avais Schtroumpf fait mes conseils, Schtroumpf costaud, tu aurais évité de te tourner en Schtroumpf. Attends, je vais essayer, moi. Non, il faut Schtroumpfer scientifiquement. Comme je le fais, tout devient très simple, n'est-ce pas? Tu veux essayer, Schtroumpf à lunettes? Bien sûr. Comme le grand Schtroumpf dit toujours, à chaque Schtroumpf, sa solution, il suffit de bien poser le problème. Non, d'un petit Schtroumpf, qu'est-ce qui se passe ici? Au secours! Laissez-moi pas sortir! Je veux plus de ça! T'avais l'air un peu affolé, Schtroumpf à lunettes. Non. Mais non, je vous faisais marcher, je savais bien que je n'avais rien à craindre là-dedans. Hé, hey, Schtroumpf heureux, un petit cadeau pour toi. Tiens, un petit cadeau pour toi. C'est quand même plus Schtroumpf de n'avoir plus peur de rien. Je vais peut-être même changer de nom. Schtroumpf heureux. Oh, vous m'avez fait une de ces peurs. Ces bulles peuvent être dangereuses. Quelqu'un peut être pris au piège à l'intérieur. Mais grand Schtroumpf. Vous avez vu? Je me sers de la baguette magique, Kevin. Oui, oui, je comprends. Mais qu'est-ce qui se passe si tu es à l'intérieur de la bulle et la baguette à l'extérieur? Il faut que tu rendes cette baguette magique à son propriétaire avant que tu ne crées des problèmes. D'accord, grand Schtroumpf. Mais les bulles sont vraiment sans danger. Il suffit de... Qu'est-ce que j'avais dit? Rien n'est parfait. Et ce n'est pas en te cachant à l'intérieur d'une bulle que ça te schtroumpfera à grand chose. Parce que c'est... Grosse bouffe! Vite, cachez-vous, cachez-vous!
Schtroumpf heureux, mais qu'est-ce que tu fais là? Je n'ai plus peur de grosse bouffe, ni de personne maintenant. J'ai faim, grosse bouffe a faim. Ben, y a rien à manger pour toi par ici, gros plein de soupe. Hein? Qui est-ce qui m'a dit gros plein de soupe? Hein? Grosse montagne, si tu préfères. C'est moi qui te parle, le Schtroumpf peureux. Tu me connais peut-être? Quoi? Tu veux me mettre en colère? Ouais, je me suis fait mal au nez. T'étais bête, maintenant t'es maladroit. Ah, je me suis fait mal au nez une deuxième fois. C'est qui peut être bête? Cette fois, ça a assez duré. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu te moques plus de moi? Pauvre, je trouve péreux. Ah ben, cette fois, j'ai mal au cœur. Moi, je m'amuse bien. Elle est drôle, cette balle. Vite les schtroumpfs, c'est le moment de schtroumpfer au secours de schtroumpf peureux. Ma baguette, où est ma baguette? J'aime bien jouer à la babelle. Au secours, gros schtroumpf. Elle est belle, cette balle. Ce rire monstrueux ne m'est pas inconnu, Azrael. Tu l'entends? Allons voir ce que c'est. Et maintenant, un bon coup de pied. Ça y est, je suis sauvé. Oh, ma baguette magique. Oh, c'est amusant, ça. Gargamel. Tiens, tiens, tiens. Le parfait piège à Schtroumpf. Cette bulle va les tenir bien au frais. Viens, Azrael, le dîner va être bientôt servi. Elle est ma baballe. Qui a pris ma baballe? Vite, chez Gargamel. Mais comment va-t-on faire pour délivrer le Schtroumpf peureux de la bulle? Chaque chose en son temps. Oui, chaque chose en son temps. Comme je dis toujours, il vaut mieux schtroumpfer chaque problème l'un après l'autre, et si vous ne... Non mais attendez-moi. Attention, Azrael. Tu surveilles notre joli petit poisson bleu. Tu regardes, mais tu ne touches pas. Bientôt, Azrael, je vais revenir avec des schtroumpfs pour tous les deux. Gargamel! Mais où êtes-vous donc, misérable petit nabo bleu? Oh, Schtroumpf, mon pauvre Gargamel! Venez, venez ici, pauvre vermine! Oh, je vous déteste, je vous déteste! Oh, que ce soit Schtroumpf! Mais de quoi j'ai peur? Azrael ne peut pas m'atteindre! Et moi, je peux peut-être lui donner une leçon! Oh. Tu ne peux pas m'avoir! Moi, dîner, il s'en va tout seul. Vieux tape, puce, arrête-le. Arrête-le. Schtroumpf, fais-moi les schtroumpfs. Qu'est-ce qui m'a pris, ma baballe? Elle est revenue. Nous, j'en ai assez, hein. Va-t'en, Gargamel. Non, content de vous revoir, grosse bouffe. La vie est belle. Tu sais bien que je ne supporte pas ta vue. Oh, mais est-ce que je peux jouer avec cette belle dame? Non. Bon, d'accord, très bien, gros pachyderme. Tu l'auras voulu. Laisse-moi sortir de là. Laisse-moi sortir de là. Un schtroumpf, c'est mieux que rien du tout. Viens, pauvre imbécile, on rentre à la maison. Laisse-moi sortir de là. Qu'est-ce qu'on se trompe maintenant? J'ai une idée. Trouvez des baguettes le plus solides possible. Dépêchez-vous. D'accord. D'accord. Oh, où est le gros schtroumpf? Oh, si seulement je pouvais attraper cette baguette magique. Bon, comment aimes-tu les schtroumpfs, Azrael? Pochés, frits, brouillés, en omelette? Sortir d'ici. Ne vous inquiétez pas, je crois qu'on a trouvé un moyen. Allez, on se trouve ensemble. Oh, je trouve. Oh, je trouve. Oh, je trouve. Oh, je trouve. Tu frappes à ma porte.
Schtroumpf. Je suis schtroumpfement content de vous voir. Gargamel, je ne peux pas supporter ta vue. Oh, ça va, silence, grosse baleine. Moi non plus, je ne peux pas supporter ta vue. Je sens que je vais me mettre en colère. Les Schtroumpfs, il y a de la place pour vous tous dans ma marmite. Messieurs Grosse Bouffe, les Schtroumpfs tiennent toujours leur parole. Arrêtez-les, ils ont la baguette magique. Maintenant, je peux rejouer à la baballe tranquillement. On y est presque, Grand Schtroumpf. Oh. Et alors, ma baguette magique? Ah oui, je te la rends. Ah, bah merci mille fois. L'heure de la rosée approche. Oh, bah je crois qu'il faut que je libère cet horrible sorcier. Excusez-moi, mais est-ce que je peux vous demander un petit service? Mais oui, bien sûr, Grand Schtroumpf. Alors, si vous attendiez que Grosse Bouffe en ait assez de jouer à la balle. Mais avec plaisir, Grand Schtroumpf, excellente idée. Non, non, je plaisantais. Quand je vous traitais de gros pêcheur, je vous assure, parole de sorcier. Non, attendez, je vous pète la main. Matinée schtroumpfante. Bonjour, Schtroumpf Perret. Une ode à l'automne. Comme j'aime cette époque de l'année, l'hiver pointe à peine son nez. Le ciel est bleu, le soleil, lui, dans mes yeux perle une larme de pluie. Moi, j'aime pas les poètes. Bonjour, Schtroumpf sale. Bonjour, grand Schtroumpf. Oh, c'est gentil. Elle est schtroumpfement intelligente, ta mouche, dis donc. Oh, merci, grand Schtroumpf. Elle sait même schtroumpfer la patte, vous voulez l'essayer? Non, merci pas maintenant, parce que je suis très schtroumpf. Ah bon, assis, debout, couché, assis. Je sens de la neige dans l'air et le flair du schtroumpf, car le flair n'est jamais pris en défaut. Oh. Absolument, et l'hiver va être dur. Vaut mieux que je prévienne les autres. Dis, schtroumpf, costaud. Je ne peux pas te parler maintenant. Et on va jouer à la balle. Tiens, schtroumpf. Oh, quel temps! C'est vraiment idéal pour schtroumpfer un pique-nique. Schtroumpf gourmand, schtroumpf paresseux, attendez! Ah, ben non! Attends, il va y avoir une grosse tempête. Un schtroumpf qui a dû flairer un jour cosmique pour une peintre sidérale des feuilles d'automne. T'es schtroumpf, non? Il va y avoir une tempête de neige. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de tempête de neige? Grand schtroumpf, mon flair ne me trompe jamais. Je schtroumpf une tempête de neige pour bientôt. Il est très possible que tu aies raison. Je vais consulter mon almanach de ce pas. Bonjour, schtroumpf-tailleur. Tu veux bien me schtroumpfer un manteau avec toutes ces pièces de fourrure? Avec ça, mais ça va faire un manteau horrible. Ah, c'est pas grave. Je veux être paré pour la tempête de neige. La tempête de neige? Ouais. Mais t'es complètement un schtroumpf. Je passerai le prendre ce soir. Merci. Une tempête de neige? Ils sont vraiment tous plus schtroumpfs les uns que les autres. Dans l'année de la septième schtroumpf, le schtroumpf qui a dû faire a raison. Il y aura effectivement une tempête de neige très bientôt. Schtroumpfez-moi tous, n'est-ce pas? Le grand schtroumpf dit que l'hiver sera précoce cette année, n'est-ce pas? Et qu'il faut immédiatement prendre certaines précautions. D'autre part... l'hiver n'est pas prêt de schtroumpfer. Ah non! Il y a des papillons. Moi, j'aime pas les hivers précoces. Il fait trop chaud pour travailler si on allait se baigner. Ah oui, c'est une bonne idée! On pourra schtroumpfer le blé tout à l'heure. Mais le grand schtroumpf a dit qu'il fallait rentrer de provisions pour l'hiver, n'est-ce pas? Regarde un peu ce ciel, tu crois vraiment que l'hiver arrive? Eh bien, puisqu'on en parle, non. Ce serait même un beau ciel d'été qui évoque la plage, le sable doré, n'est-ce pas? Une douce chaleur qui vous... Attendez-moi, je parle dans le vide. Ah, est-ce qu'il peut faire chaud? Schtroumpf, faut vous préparer pour la tempête de neige. Schtroumpf qui a du flair. Mais où est-ce que t'as déniché cet horrible manteau de fourrure? Et en quoi c'est fait, Schtroumpf qui a du flair? En sac à puce?
Riez autant que vous voudrez, allez-y. Mais demain, vous verrez, il neigera. Je trouve qu'à du fer avait raison. L'hiver est précoce. J'espère que les Schtroumpfs ont bien fait ce que je leur ai demandé. Mon cerveau génial est tout gelé. Moi, j'aime pas les jeux, les gelés. Oh, cette couche de neige est impressionnante. Attention devant. Non. La neige ne va pas empêcher les aliments de moisir. Oh. Attention devant. Bonjour à tous. Vous venez skier? Moi, j'aime pas les skieurs. Pourvu que le schtroumpf bricoleur soit chez lui, que je puisse lui schtroumpfer un peu de ce bois, n'est-ce pas? Ce schtroumpf qui a du flair, comment ça me schtroumpfe déjà? Oh, grand schtroumpf, il fait si froid! Un froid qui frôle la limite de l'insondabilité cosmique! Je pense pas que quelqu'un souhaite entendre une ode au froid! Au nom d'un petit schtroumpf! J'ai tellement froid que ma peau devient toute bleue. Mais ta peau est toujours bleue. Hein? Mais le bois que vous avez entreposé ne chauffe pas suffisamment vos maisons. En fait, on n'a plus du tout de bois, grand Schtroumpf. Plus du tout? Vous n'avez pas fait tout ce que je vous avais dit en vue de l'hiver précoce, voilà ce que vous... Non, grand Schtroumpf, on n'a pas terminé. J'ai fait une petite sieste. Il faisait tellement beau. On a fait un pique-nique. Ben oui, ça... Taisez-vous! Oh! Entrez. Et je veux savoir ce que vous avez eu le temps de faire exactement. Hey, je t'ai apporté un petit cadeau, Schtroumpf, il y a du flair. Merci, ça c'est très gentil, Schtroumpf farceur. Oh, bravo, bravo. Et reviens, il est à moi, Schtroumpf. C'est vraiment pas drôle, Schtroumpf farceur. Bonjour, Schtroumpf peureux. T'as pas vu le Schtroumpf farceur? Non, je regrette. Petit chalot. Merci. T'aurais pas dû, mais j'avais... Oh. Reviens ici tout de suite. Arrête. Qu'est-ce que tu fais avec le manteau de Schtroumpf qui a du flair? Le manteau de... Mais je crois pas... Le grand Schtroumpf dit toujours qu'il faut savoir se donner la main, n'est-ce pas? Alors faut que tu donnes le manteau de fourrure, parce que le grand Schtroumpf sera content. Non, puis... pas question, Schtroumpf à lunettes. Laisse-le, Schtroumpf costaud. C'est moi qui l'ai vu le premier, hein? Oh, j'aurais une allure folle avec ce manteau. Ah, laisse-le. Hein? Grand Schtroumpf, on a tous la schtroumpfonnée. Allons, une petite schtroumpfonnée est facilement guérie par une tisane de racines de schtroumpf. Hein. Ça prie schtroumpf, c'est tout ce qui me reste. Schtroumpf à lunettes, tu es allé en chercher au cœur de la forêt comme je te l'ai demandé. Grand Schtroumpf, j'étais très occupé, alors j'ai demandé au Schtroumpf paresseux de s'en charger, n'est-ce pas? Et moi, j'étais occupé à dormir, alors j'ai demandé au Schtroumpf costaud. Ça, c'était ton travail, pas le mien. Un peu de silence. Bien, à cause de votre irresponsabilité, nous risquons tous d'attraper une mouche Schtroumpf. Sauf si nous pouvons trouver des racines de Schtroumpf. Coucou! Schtroumpf qui a du flair, on a besoin de toi. Les Schtroumpfs sont tous malades et j'ai besoin de racines de Schtroumpf. Ah, bah, j'en cherche avec plaisir, grand Schtroumpf. Mais un Schtroumpf qui ne Schtroumpfe pas de tout père a complètement abîmé mon manteau, hein? Oui, il te faut pourtant un manteau pour sortir par ce froid. Ah, ouais. Suivant! Mais grand Schtroumpf, je suis déjà gelé, là. C'est pas juste, et d'ailleurs, vous dites toujours que. Allons, tais-toi donc un peu! Oh non, je vais être complètement gelé. Parle un peu moins, suivant. Il est bien joli ce manteau, je trouve d'ailleurs. Alors tu pensais que je ne savais pas schtroumpfer mon métier? Nous comptons sur toi pour que tu nous trouves des racines de schtroumpf, schtroumpf qu'a du flair. Tous les schtroumpfs ont attrapé une pneumo schtroumpf, à part toi. Et bois. Ne vous inquiétez pas, grand schtroumpf, je vous en rapporterai.
Des racines de schtroumpf, des racines de schtroumpf, ça doit pas être très compliqué. Il faut qu'on trouve de quoi remplir nos pauvres estomacs. Ouh, qu'est-ce que c'est? Ouh, tout porte à croire que nous sommes sur la piste d'un mets de choix, Israël. Et voilà, mission accomplie. Bonjour. Au revoir! Attrape-le, Azrael, attrape-le! Ah, je le vois, ça y est, je le vois! Oh non, je l'attrape moi-même, je le tiens, misérable petit nabo bleu! Ah, ce n'est pas bien, le bougre, mais il n'est pas de taille à lutter contre. Au revoir, Gargamel. Bonjour, c'est vous. Après cela, il ne nous restera plus de bois, pourvu que le schtroumpf qui a du flair revienne vite, sinon nous serons tous très malades. J'ai quelque chose à brûler, si vous voulez, grand schtroumpf. Ce sont les détritus que je préfère. Merci, schtroumpf sale, merci beaucoup. Des chiffons, de la poussière, des feuilles pourries, de la poule, des arêtes de poisson, des sauces de poulet, une coquille de vin, les arbres. Et ben... C'est vraiment très gentil, schtroumpf sale, oui, très gentil. Oh, mais c'est tout à fait normal. Chaud devant. J'aurais vous quelqu'un a dit chaud. Coucou, voilà les racines de schtroumpf, grand schtroumpf. Tiens, je sens qu'il va faire très chaud pour la saison aujourd'hui. Il a dit qu'il allait faire très chaud. Ça, je trouve de nous. Qu'est-ce qui se trouve ici? Quoi qu'on en dise, je ne suis jamais pris au dépourvu. Et c'est comme ça que le petit schtroumpf a sauvé le village du dragon. Ils vécurent heureux et ils eurent beaucoup de schtroumpf. Voilà, c'est fini. Ça, c'est l'histoire que je préfère, grand schtroumpf. Vous voulez bien me la relire encore une fois? Excuse-moi, Sassette, mais il faut que j'aille travailler maintenant. Alors... Un jour, tu sauras lire ces histoires toute seule. Ah oui, mais moi, j'aime bien votre façon de lire. Et maintenant, va jouer avec les autres. J'aurai peut-être le temps de te relire cette histoire tout à l'heure. Oh, merci bien, grand schtroumpf. Approchez, n'est-ce pas? Approchez. Moi, le schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? J'organise une grande braderie. Je dois faire de la place pour une nouvelle édition des citations du schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? En conséquence, je vends tous les anciens, n'est-ce pas? Et très sincèrement, je vous en fais pratiquement cadeau. Bon, alors, qui va être mon premier client, n'est-ce pas? Ah, j'ai laissé mes babas à la salle pareille sur le feu. Ce soleil va me brûler mes rutabagas. Sans parler de mes fleurs. Bon ben, tout à l'heure, alors. Ça c'est... Non, attends, ça me fendrait le cœur de te voir rater l'occasion fabuleuse d'avoir un livre qui ne soit qu'à toi, n'est-ce pas? Oui, mais oui, je trouve une lunette, ça je sais même pas lire. Comment tu ne sais pas lire, n'est-ce pas? Alors, autrement dit, la prodigieuse richesse intellectuelle des citations du schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas, est hors de portée dans l'esprit encore à l'état de friche, n'est-ce pas? Qui s'est dit? Attention, je trouve pas d'avoir, n'est-ce pas? Pas de problème, va. Ne fais confiance au schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? Je vais t'apprendre à lire en deux coups de cuillère, n'est-ce pas? Ah, à peau. Écoute-moi attentivement, n'est-ce pas? Ah. Comme dans Auréole, n'est-ce pas? Le schtroumpf à lunettes mérite une auréole, n'est-ce pas? B, comme dans Brillant, le schtroumpf à lunettes est très brillant, n'est-ce pas? C, comme dans Classe, le schtroumpf à lunettes a énormément de classe, n'est-ce pas? Et enfin, pour terminer, Z, comme dans Zelle, le schtroumpf à lunettes n'a jamais été un zéro. N'est-ce pas? J'ai rien compris. Sassette, est-ce que tu écoutes ce que je te dis, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Oh, Sassette, le grand schtroumpf a dit qu'on pouvait aller se baigner
beignets, tu viens avec nous? Crée-nous la pétunia, et comment? Une petite seconde, n'est-ce pas? Je ne vous laisserai pas distraire Sassette dans sa recherche du royaume doré, de l'éducation, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Oh, Schtroumpf! Grand Schtroumpf, le bébé Schtroumpf n'a pas l'air bien. Hein, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qui se passe? Oh! Nom d'un Schtroumpf, je n'avais jamais vu ce genre de Schtroumpf. Mettez-le au lit, je vais essayer de trouver un remède dans mes livres. Entendu. Bon, voyons un peu. Chaque citation du Schtroumpf à lunettes est une véritable merle. N'est-ce pas? Oui? Non, pas merle. Ah! Yeah. Hé, Schtroumpf à lunettes, je peux te parler une seconde? Ne te fatigue pas, j'ai tout compris. Un Schtroumpf se décide enfin à vouloir lire un de mes livres, n'est-ce pas? Eh ben, en fait, c'est pas Schtroumpf, c'est Poupie qui a mangé un livre. Oh non! Si je ne retrouve pas ce volume, le monde perdra un chef-d'œuvre culturel, n'est-ce pas? Mais attends, ben oui, mais moi alors... Travaille jusqu'à mon retour, n'est-ce pas? Lis et n'est-ce pas? Je suis venu, j'ai vu, j'ai Schtroumpfu et je ne peux plus. Voilà. Ah, Kainon est un topinambour, alors cette fois c'est vrai, j'en peux plus. Je vais en parler au grand Schtroumpf. Il me permettra peut-être d'arrêter. Oh, j'ai parcouru tous mes livres, mais je ne trouve pas de remède pour cette maladie. Omnibus aura peut-être une idée. Grand Schtroumpf, grand Schtroumpf. Oui, qu'y a-t-il? J'ai essayé. J'ai vraiment essayé, je vous assure, mais apprendre à lire, c'est, je trouve, vraiment difficile. Je sais que c'est assez difficile, Sassette, mais si tu continues de travailler un jour, tu verras que ça en valait la peine. C'est vrai, la réponse à presque tous les problèmes peut être trouvée dans les livres. Et maintenant, excuse-moi, mais il faut que j'aille voir Omnibus. Oh, mais qu'est-ce que je peux faire, monsieur? Le grand Schtroumpf a dit que la réponse à presque tous les problèmes se trouvait dans les livres. Ah, je peux peut-être trouver la réponse à mon problème dans ces livres. Ah, ben ça m'avance pas à grand-chose. Il n'y a que de vieux sortilèges dans tous ces livres. À part celui-là, tiens. Ah, ben il est vide. Oh, ben alors là. Si ces mots sont lus par toi, tout ce que tu pourras dire se réalise. Ah ben alors, si c'est vrai, moi je ne veux plus jamais revoir un livre, plus jamais! Et maintenant, je vais ajouter à l'ingrédient dont j'ai le secret pour que mes babas deviennent les plus succulents du monde. J'ai réussi, je trouve, malheureusement, n'est-ce pas? Ces mots prodigieux allaient être perdus, mais les forces de la grandeur sont parvenues à vaincre l'impossible. Mon livre, n'est-ce pas? Elle trouve, elle était peut-être pas si forte que ça, hein, finalement. La formule dont vous avez besoin pour guérir le bébé Schtroumpf se trouve dans ce livre. Merci, Omnibus. Maintenant, il faut que je rentre au village le plus vite possible. Merci, Omnibus. Oh, mes livres, ils sont tous disparus. Celui que vous m'avez donné également. Qu'est-ce qui a bien pu faire ça? Schtroumpf musicien, c'est horrible. Je sais, merci, mais sans mes partitions, je ne peux pas répéter. Excuse-moi, je trompe paysan, mais sans mon manuel, je peux pas te réparer le moulin. Mais alors, c'est pas possible, je pourrais pas faire de farine, et sans farine, on ne pourra pas avoir de pain. Je sais. Il faut que je retrouve mon manuel. Oh non, on a encore droit à la purée de Schtroumpf. Oui, moi je commence à plus avoir faim. Désolé les petits Schtroumpfs, mais sans mes livres de cuisine, c'est la seule recette dont je me souviens. Toi, tu n'as pas besoin de livres, tu as de la chance. Oh, oui, mais je connais 102 Schtroumpfs qui en ont Schtroumpfement besoin. Crayon à cognacier, oh, j'aimerais bien avoir mon livre d'histoire, s'il peut me manquer. Oh, Sassette, viens voir le grand Schtroumpf. Le grand Schtroumpf? Mais je veux pas que... Et le village va finir par s'écrouler si je retrouve pas rapidement tous mes manuels. Les Schtroumpfs refusent de manger si je continue de leur servir de la purée de Schtroumpf. Comment va le bébé Schtroumpf? Moi j'aime pas comment va le bébé Schtroumpf.
Exactement ce que je craignais, ces petites plaques jaunes ont empiré. Mais vous pouvez rien faire pour guérir le bébé Schtroumpf? Sans le livre d'Omnibus, je ne peux malheureusement rien faire. Mais il faut faire quelque chose. Une vie sans livre est trop horrible à affronter, n'est-ce pas? Il n'y a qu'une solution. Il faut que j'aille au puits du savoir et j'arriverai peut-être à le persuader de rendre les livres. Oh non, Schtroumpf, tout ça c'est ma faute. Pourquoi dis-tu ça? C'est moi qui ai fait disparaître tous les livres. Toi? J'avais peur de le dire à quelqu'un, mais maintenant que le bébé Schtroumpf est malade, il faut que je dise la vérité. Ça c'est, mais comment as-tu pu faire cela, n'est-ce pas? Mais je voulais pas vraiment faire disparaître tous les livres, non, tout ce que je demandais, c'était de ne plus être obligé de lire. Tu n'as pas aimé ma façon d'apprendre à lire, n'est-ce pas? Mais c'est excessivement humiliant, grand Schtroumpf, moi je... Schtroumpf à lunettes, tu es en partie responsable. Qui, moi, les uns? La lecture, ça doit être un jeu, non pas une corvée. Mais grand Schtroumpf, qu'est-ce qui peut y avoir de plus drôle que lire les citations du Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? Oh, Sachette, tu vas venir avec moi. Tu vas m'aider à convaincre le puits du savoir de rendre les livres. Au puits du savoir, sans livre, le monde devient lugubre et triste. Dans ta grande sagesse, je te demande de rendre les livres au monde. Les livres sont effectivement un trésor rare et précieux, mais je ne pourrai les rendre que si celui qui les a chassés de ce monde me donne en échange quelque chose de grande valeur. Oh, je donnerai n'importe quoi pour que les livres reviennent, je vous le jure. Vous pouvez avoir ma brosse à cheveux ou ma petite poupée en plus, ou tiens, même mon parfum. Non, Tite Schtroumpf, il me faut quelque chose de plus grande valeur. Mais je n'ai rien d'autre à donner. Si vous ne me rendez pas nos livres, le Schtroumpf gourmand, il ne pourra jamais plus nous faire le bon petit plat, le Schtroumpf bricoleur, il ne pourra plus rien réparer. Et le bébé Schtroumpf, il ne pourra jamais guérir. Je vous en supplie, monsieur le puits, il faut que vous nous rendiez les livres. Il le faut que... C'est ce que je voulais. Rien n'est plus précieux qu'une larme qui vient du plus profond du cœur. Oh. Le Schtroumpf soit loué, le sortilège est rompu. Et maintenant, vous pouvez guérir le bébé Schtroumpf. Oh, merci, monsieur le puits. Vous êtes formidable. Bien vite, Sassette. Il n'y a pas une Schtroumpf à perdre. Une pincée de cannelle, une pointe de racine de gingembre, oh, pourvu que ce soit efficace. Eh bien, revoilà le bébé tel que nous l'aimons tous. Un tour à gauche et puis deux tours à droite. Voilà, ça devrait aller. Pour rien, bah, il faut remercier le manuel. Ne dites pas qu'est-ce que le Schtroumpf à lunettes peut faire pour moi, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que je peux faire pour le Schtroumpf à lunettes, n'est-ce pas? Allez, allez, le Schtroumpf, vous me direz des nouvelles de ma spécialité. Oh, quelle journée! Vous nous racontez mon histoire préférée? S'il vous plaît, grand Schtroumpf, vous avez promis. Oui, nous aussi on voudrait que vous nous lisiez une histoire. Bon, eh bien très bien. Oh, Schtroumpf alors. Il était une Schtroumpf, un dragon féroce qui terrorisait la forêt. Nul dans le village n'était à l'abri. Et puis un jour... Et puis un jour, un Schtroumpf très courageux continue, ça décida d'aller dire deux mots à ce dragon. Et c'est comme ça qu'il s'enfonça dans...